Bonjour, bonjour, tout va bien? Bon, allez, c'est reparti. Fanny s'assoit sur son piquet dans le coin de la classe et puis on va commencer à faire les premiers rituels. On va commencer par le calendrier comme d'habitude. Je vous rapproche. Que se passe-t-il dans ce calendrier? Eh bien, la semaine continue. Hier, on était lundi, on passe au jour d'après, c'est le jour de mardi. Mardi, normalement, il y a une chanson et la chorale, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Je vous enverrai plutôt des choses à écouter plutôt que de chanter, c'est beaucoup plus sympa. Alors, mardi, on va faire la croix. Voilà, ça c'est fait. On est mardi combien? Regardez bien ce chiffre-là, c'est le 5 et le mois, c'est toujours le mois de mai. Ok. Puissiez me voir. Je mets mon petit tableau. Et puis avec le bon feutre, j'écris la date. Mardi. Et 2 et 3 et je tourne, c'est le M. Ma, la coupe, je monte, je descends, c'est le A. R, je tourne tout droit et je descends. D, la grande étrécie, suivie de la petite étrécie pour écrire di, mardi. Le 5, trait qui part en arrière couché. Un trait qui descend et je rajoute le crochet en dessous. Mais, bah c'est comme mardi, on va réécrire la même chose. M et 3 et je tourne. On rajoute le A, la coupe, la petite étrécie. Et cette fois-ci, la petite étrécie juste derrière pour faire le I. Mais, mardi 5 mai. Voilà, donc ça c'était pour la date. Quelle météo fait-il aujourd'hui? Ah ben, mes pauvres amis, pas terrible. Hein. Là, on n'est plus du tout dans des jours d'été comme on voudrait. Il y a du soleil. Non. Ah, je crois que c'est celle-ci aujourd'hui qui nous va. Il pleut. Alors, je mets la carte Il pleut. Je crois que là, du coup, vous la verrez pas bien, mais c'est pas grave, tant pis. Hop, elle est affichée. On va faire l'appel. Je pousse mon ardoise. On va faire l'appel. Hop. Bon, ça faut que je vous rapproche, sinon vous voyez rien du tout. Alors, je vais commencer par en bas. Zaïd. Tia. Rofaïda. Lucille. Laurence. Imran. Emma. Alice. Alexis. Clément, Gali, Josué, Leïla, Noya Priel, Tabé, Youssef, Fanny, Valentin, Siem, Noémie, Léna, Isaiah, Ézéchiel, Audrey, Aïssatou. On va compter tous les chiffres pour arriver jusqu'en bas. C'est parti. Je me mets bien devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 jours dans ce long. Travail, je me recule un peu parce que sinon je suis trop près. Hop. Alors, on va commencer par ce qui est très simple. On va commencer par le graphisme. Alors, le graphisme aujourd'hui,
Il est assez particulier. Je ne sais pas si on va voir quelque chose sur à cause de la lumière. On va voir. Il va falloir que vous appreniez à faire ce geste-là. Une sorte de boucle. Qui monte et qui descend sans jamais s'arrêter. Sur une ardoise, pareil comme moi, pour pouvoir faire ce geste là. Et puis une fois que vous avez tracé vos boucles en haut et en bas, vous rajouterez les croix à l'intérieur des boucles, un trait debout, un trait couché. Et puis il y a le deuxième, c'est le losange. On fait d'abord un trait qui monte pointu et qui descend. C'est une danse, c'est un triangle, c'est une ligne brisée. Et ensuite on rajoute celui qui est en dessous. Pareil, on descend penché et on rejoint. Entraînez-vous bien le faire avant parce que c'est pas facile. C'est vraiment, c'est la dernière hein, du graphisme, la dernière de ma feuille que j'avais préparée. Donc entraînez-vous à bien faire celui-ci, il n'est pas si facile que ça. Voilà, donc ça c'est pour le début. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, vous pouvez continuer l'étangramme pour ceux qui ne l'ont pas fini, la feuille verte et puis... la feuille jaune tranquillement, ou alors chercher d'autres modèles aussi sur internet. Ils peuvent être tout noir les modèles, et c'est beaucoup plus difficile pour réfléchir pour ceux qui veulent vraiment avancer. Il y a des modèles noirs, j'en avais pas sur moi pour vous en donner, mais j'en ai à l'école, donc on vous reviendrait si vous revenez. Je vous en mettrai dans vos pochettes pour ceux qui reviennent pas, et je vous donnerai à l'école pour ceux qui viennent. Ensuite il y aura de l'écriture. Alors justement, comme on a travaillé là-dessus, comme on a travaillé là-dessus, je vais vous demander de faire une feuille qui ressemble à ça. Comme ça. Avec des lignes. Donc ça, il faut que vos parents les tracent avec une règle pour vous faire des lignes. Donc les premières, ce sont des boucles à l'envers, tout simplement. On fait des boucles à l'envers en essayant de toucher en bas et en haut de la ligne. On va continuer jusqu'au bout de la ligne. Ça, vous pouvez le faire chez vous. Vous n'avez pas cette feuille, hein. C'est moi qui viens de la faire. Hop. Même chose. Je n'ai pas fait cette feuille parce que je ne pensais pas que vous alliez aussi vite en écriture. Donc très bien, j'avance. Ensuite, il faut écrire des lettres. Le G, le Y, le J et le Z. Et tout en bas, trois prénoms de la classe que je vais vous montrer. Donc, d'abord, je vais vous montrer comment écrire le G. Le G, c'est comme le A. On commence par faire la coupe. On va faire un A. Voyez, hop. Mais là, on va descendre tout bas, plus bas, pardon, tout en bas, et on va tourner sous le rond et on retraverse le trait. C'est pour le J. Ensuite, j'ai mis le Y. Alors le Y, c'est la vague. On monte, on descend, on remonte, et quand on arrive en haut de cette deuxième vague, on va descendre tout droit, comme pour le J. On va tourner à l'intérieur. Et passer en dessous. Attention, quand vous remontez, il y a beaucoup, très très souvent, les enfants me font ça. Vous n'êtes pas remonté assez haut. Vous savez, c'est comme un plongeon. Quand on plonge dans la piscine, on va tout au fond, puis on remonte et on revient à la surface. Donc il faut bien remonter jusqu'en haut. Ensuite, il y a le J. Je commence penché comme un 1 et je descends tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Je tourne. Et je remonte. Et je rajoute le point. Enfin, il y a le Z. Alors le Z, c'est un R. On l'a déjà tracé la dernière fois. Je monte. Petite boucle en arrière avec le toit de l'immeuble tout droit. Je descends. Oups. Et là, je vais rebondir. Je vais faire la boucle vers le bas et je croise plutôt vers le haut. Vous voyez, c'est une lunette qui est un peu décalée en fait. Il y a un R et, et une boucle à côté. Elle est un peu bizarre, un peu biscornue. Donc ça c'est le Z. Le G, le Y, le J et le Z. Donc déjà vous vous entraînez à faire ça. Vous vous entraînez sur ardoise puis sur la feuille.
Et enfin, vous essayez d'écrire les prénoms des copains. Gali, Zaïd, Josué. Alors, est-ce que si je le mets là, j'arrive à écrire et vous arrivez à voir. Normalement, oui. Gali. Je vais rapprocher ma feuille. Voilà. Alors, Gali. On recommence. Donc le G. D'abord le A. Je monte, je descends en dessous. Et je fais la boucle sous le rond. Attention, ici, il y a le H, ça va se croiser. Hop, je remonte. Tout en haut. Et je descends bien droit pour faire mon H. Arrivé ici, je remonte, je rajoute le pont. C'est le H. Gali, il faut un A. Ga, je fais le A. Li, grande boucle. Petit étrécie. Et je rajoute le point. Voici le prénom de Gali. Ensuite, il y a Josué. Alors, le J. Je monte penché. Je descends. Et je fais la boucle en dessous. Elle est un peu grosse, ma boucle en dessous. Ensuite, là, je vais lever mon crayon parce que je vais faire un O. Donc, je vais commencer par faire la coupe. Je monte, je rentre dans le rond et je ressors. Après, il y a le S accroché. Je remonte un petit peu, petite boucle. Et gros ventre. Vous vous rappelez, quand on arrive là, on est obligé de recommencer en bas. On va faire le U. Je monte, je redescends sur le trait. Je monte, je redescends sur le trait. Ce sont des étrécies. Et je termine par une petite boucle. Pas plus grande que les autres lettres. Vous voyez, Josué, il n'a pas de lettres qui montent comme Gali. Toutes ces lettres sont petites, sauf le J qui descend au début. On a fini le prénom, on fait descendre les passagers. L'accent et le point. Ensuite, Zaïd, alors je vais effacer, non, je vais tourner mon ardoise, hop, plus simple. Zaïd, donc là il y a deux lettres qu'on va apprendre, le Z et le Y. Le Z, je monte, petite boucle en arrière, le chapeau, je descends. Et je fais la boucle vers le bas. Ensuite, hop, je monte la vague. Vous reconnaissez le début du Y. Hop, je plonge sous la mer. Je fais la boucle, je remonte bien. Je lève mon crayon parce que je vais faire un D. La coupe. Et voilà, j'ai écrit Zaïd. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai oublié la feuille du dernier travail. Je vais la chercher. Ne bougez pas, je vous laisse avec Fanny. Je reviens tout de suite. T'as été sage, Fanny. Bon, j'espère qu'elle a été sage. Alors, la dernière feuille, c'est celle-ci. Il s'agit d'une feuille où il y a plein de petites collections. Alors, sur cette feuille, je me suis trompée en la photocopiant. J'ai mis les premières collections à droite de la feuille et les deuxièmes collections plus grandes à gauche. Elle n'est pas très grande, donc il ne va pas falloir dessiner trop gros. Prenez un crayon à papier pour faire les dessins. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce travail? On a des petits sacs avec une petite étiquette avec un chiffre écrit. Il faut d'abord lire ce chiffre. Si jamais vous ne le connaissez pas, normalement jusqu'à 9 maintenant vous les connaissez, si c'est les plus grands, eh bien il faut que votre maman, votre papa écrive tous les chiffres jusqu'à 15 et puis que vous débrouillez tout seul pour les lire. D'accord ? Avec cette bande numérique qu'ils vont vous écrire, vous allez pouvoir lire les chiffres. Après, une fois que j'ai lu le chiffre, je vais regarder ce qu'il y a dans le sac. Alors le premier, c'est les ballons. C'est écrit 5. Je vais compter les ballons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas 5. Ça ne va pas. Le sac n'est pas bon. Et donc, on va vous demander de rectifier, de corriger les erreurs. Donc, comme il y a un ballon en trop, je vais prendre mon crayon et je vais le barrer. Tout simplement. Je passe dans la collection d'à côté, les pommes. Il est écrit ici. 3, je n'en ai pas assez, donc je vais rajouter des pommes, c'est pour ça qu'il y a de la place dans mon sac. Je vais donc rajouter des pommes pour qu'il y en ait bien 6. Je les dessine avec un crayon à papier, comme ça si je me trompe, je peux gommer.
Quand vous aurez rempli tous vos sacs de la, du premier côté, vous pourrez commencer à colorier les dessins. Petite pause. Deuxième partie, beaucoup plus difficile puisque les nombres sont plus grands. C'est le même travail. Je lis, je compte. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il en manque? Est-ce que j'en rajoute? Est-ce que j'en barre? Vous aurez le droit de colorier aussi les dessins. Faites attention de colorier des couleurs claires, qu'on puisse bien compter les objets pour bien vérifier. Voilà, ben je vous laisse au travail. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis à jeudi.